Sommes réunis pour une petite conférence. Ce sera l'occasion de plusieurs aperçus pour alimenter une réflexion sur le thème de la génération, du renouvellement des générations dans une époque de stérilité relative. Et nous pourrons peut-être par la suite passer au jeu plus interactif des questions. Remerciements à Victor pour l'invitation, à Arnaud, à Armel pour l'organisation. C'est très carré. C'est très impressionnant de se retrouver devant un public aussi nombreux. Bon. Félicitations. Et nous commençons avec ceci. Peut-être avez-vous déjà demandé à des théologiens quel était le sens religieux des cataclysmes qui s'abattent sur les générations actuelles. Exemple, immigration, transhumanisme, etc. En général, ils ne savaient pas. Ils ne s'étaient jamais peut-être même posé la question. Ou alors, ils répondaient qu'il existe une explication politique, mais pas forcément une explication religieuse. Toutefois, un début d'explication se trouve peut-être dans un passage de l'Ancien Testament que j'ai découvert un jour. Pour introduire le propos du jour, nous allons lire ce passage de l'Ancien Testament, à savoir une vingtaine de versets sélectionnés dans le chapitre 28 du livre du Deutéronome, un choix a priori incongru. Pourtant, il pourra sembler familier à certains, ou tout du moins son contenu pourra peut-être résonner curieusement avec l'époque actuelle. Voilà, citation. Citation donc du Deutéronome. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui te seront en partage. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison, et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne, et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront donnés à tes ennemis, seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Bien sûr, toute coïncidence avec des faits réels serait purement fortuite, vous l'avez compris. Tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple, parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Soit dit en passant, avec les smartphones, l'éducation par l'école publique et l'influence de la culture racaille, tout cela fait que, de fait, les enfants n'appartiennent pas vraiment à leurs parents. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre. Fin de citation. Voilà, ce petit nombre à l'échelle de notre pays est probablement la génération actuelle des jeunes Français chrétiens, ou par extension des jeunes Français de culture chrétienne, ou par extension encore plus grande, disons, des membres du peuple de France de la catégorie honnête homme, comme on disait avant la Révolution française, la catégorie des honnêtes hommes. Et c'est à une partie d'entre elles réunies ici que nous voulons parler aujourd'hui. La génération actuelle vraiment vivante est celle qui croit encore en la vie et fait des enfants. C'est la génération qui reste après une apostasie générale. Les générations anciennes étaient nombreuses et la marche du monde semble aller vers une réduction. Réduction causée par ce qu'on appelle l'apostasie générale ou l'athéisme. Louis XVI, lui, parlait d'irreligion. Il avait formulé un seul regret à la fin de sa vie, qu'il a rédigé dans son testament. Il avait dit:
qu'il avait un seul regret, c'était de ne pas avoir réprimé suffisamment durement l'irréligion montante dans son royaume, puisque à la fin du XVIIIe siècle, bien sûr, sous l'effet de l'idéologie des Lumières, montait l'athéisme. La génération, c'est la substance de l'Église la plus concrète. Ici, on ne se perd pas dans des abstractions, on ne s'enfuit pas dans le ciel des idées. C'est la communauté vivante à l'instant T et la base de sa possible perpétuation future. Cela se voit, peut-être vous l'avez déjà vu particulièrement, par exemple, dans un pèlerinage où des gens de tous âges, de toutes conditions sociales, de tout état de vie, des clercs, des laïcs, quittent leur foyer et s'en vont plusieurs jours marcher, chanter, selon un canon, selon des us et coutumes qui ont été établis par des générations anciennes, voire dans certains cas très anciennes. Par exemple, le Kyrie que nous chantons, le Kyrie eleison, qui d'ailleurs est en grec et non pas en latin, remonte à avant le IIIe siècle, après Jésus-Christ. Si l'on comprenait combien la génération actuelle est précieuse, combien la perte d'un seul de ses membres est grave, combien est importante la stabilité de la génération, sa sécurité, sa fécondité, et combien l'avenir du pays et du monde repose sur la génération actuelle comme potentiel, on comprendrait qu'elle est sacrée et que tout ce qui menace sa perpétuation comporte toujours quelque chose, bizarrement, qui tient de la profanation et qui procède de la profanation. Or, ces profanations, nous les connaissons déjà. Avortement, pornographie, invasion migratoire, métissage, propagande LGBT, la culpabilisation systématique, notamment par un récit historique falsifié, notamment sur tout ce qui touche à la colonisation, ce genre de choses. C'est curieux, lorsque nous faisons la sociologie des émetteurs de ces courants, de ces idées, de ces profanations, on trouve des listes de responsables dont les noms sont très significatifs, au moins d'un certain système de valeurs, d'une certaine mentalité de prédation, de double éthique. Et ça, c'est ce qu'a expliqué pendant les 20 dernières années, excusez-moi, mais Alain Soral, et qui se vérifie par les faits. Or, cela peut aussi se lire au plan religieux, comme cela peut aussi avoir un sens eschatologique au plan religieux, et de parler de la lutte de la lumière contre les ténèbres, voire de la lutte du bien contre le mal, en tout cas la lutte pour la vie que mène la génération actuelle. Lutte illustrée très bien dans l'Évangile par la parabole du bon grain et de l'ivraie. Laurent Ozon aussi a expliqué tout cela avec un lexique assez performant autour du thème de la communauté, que la communauté a droit à son territoire, à sa sécurité, à sa continuité cohésive dans le temps, à son récit sur elle-même aussi, à la maîtrise de son propre roman national, de ses légendes. La religion chrétienne, c'est la loi qui permet de réconcilier la communauté avec elle-même, avec les générations passées et futures, et de la projeter sur le long terme dans une stabilité, dans une continuité. La religion chrétienne porte des fruits spécifiques visibles, natalité, stabilité. L'irreligion porte les fruits de stérilité, de démoralisation. C'est un thème qui traverse en creux toute l'œuvre d'auteurs comme Balzac ou comme Hippolyte Taine, et qui aussi a présidé à la conversion d'autres écrivains il y a un peu plus de 100 ans, comme Huysmans et Paul Bourget. Ce sont des événements qu'on a complètement oubliés de nos jours, mais qui ont un retentissement très fort à l'époque, ce qui ne venait pas du monde chrétien, ces auteurs-là. Et c'est par des diagnostics très sévères et très exacts sur l'état moral de la France qu'ils ont proclamé publiquement leur conversion, une conversion fracassante. C'est un petit peu pour comparer avec des auteurs actuels, comme si des auteurs qui vendent beaucoup de livres et qui passent au moins pour sérieux. Et disons, c'est pas du tout pour porter un jugement, mais disons comme si des auteurs aujourd'hui comme Onfray ou comme Houellebecq annonçaient publiquement leur conversion, après avoir bien compris les enjeux actuels. Ainsi, on peut faire une analyse matérialiste des bienfaits de la religion chrétienne sur le peuple français. Partons d'un constat simple que chacun peut faire et que de manière récurrente, les penseurs importants, invités sur des plateaux télé, notamment ce qu'on appelle les déclinologues, font, ce qui est tous les constats autour de la natalité dans le pays. On constate souvent que, plus récemment, Patrick Buisson l'a fait, que les courbes de la natalité coïncident avec le degré d'incandescence de la foi dans le pays. Et à ce sujet, la religion semble être comme la pulsion de vie qui porte les fruits les plus abondants. D'un point de vue strictement matérialiste, le patriote français sincère qui veut aider à la natalité de son peuple s'interroge forcément sur le pouvoir étrange de la religion chrétienne.
La natalité est ainsi comme le thermomètre du vouloir vivre ou de la volonté de puissance ou de la pulsion vitaliste. Choisissez la locution qui vous convient le mieux selon votre philosophe allemand préféré. Nous autres chrétiens allons plus loin et pensons que la natalité est même un signe de la faveur de Dieu. Les impies, ou en tout cas les athées, ou alors disons les agnostiques, ou ceux qui cherchent, ceux qui n'ont pas encore trouvé, lorsqu'ils sont laissés libres de courir à leur passion, livrés à leur passion, ce qu'on voit en premier lieu, au plan démographique, c'est qu'ils n'engendrent plus. Tout cela commence dans les années 1960 par l'union libre, moment de chute de la natalité absolument drastique, et aboutit plus récemment au couple asexuel, le couple qui ne pratique plus, ça c'était il y a une dizaine d'années, et puis encore plus récemment à la mutilation volontaire, le phénomène chez des hommes, le phénomène de la vasectomie, ce qui est quand même très caractéristique, ce qui veut dire que nos jours, donc les hommes de l'ère du temps veulent bien toutes les expériences, veulent bien tout essayer, je sais pas, des drogues, le saut à l'élastique, enfin de prendre tous les risques peut-être, mais surtout la paternité et la famille, ce serait ce qui est vraiment par contre marqué du panneau danger, quoi. Laurent Ozon a très bien expliqué ici même, je crois, que ces comportements sont non pas spontanés, mais sont agis de l'extérieur. Ils sont agis de l'extérieur par un ensemble de courants qu'on pourrait expliquer, oui, et qui mènent à ce que l'on appelle des vortex d'extinction. À travers l'histoire, ce sont les peuples les plus fervents qui ont engendré le plus. On peut penser tout le mal que l'on veut des protestants du nord de l'Europe au XVIIe siècle, ceux qui sont montés dans le bateau Mayflower en 1620 pour aller fonder les USA, en commençant par l'État du Massachusetts. On peut penser tout le mal qu'on veut de eux, mais on peut faire un constat objectif, c'est qu'en à peine trois générations, ces gens-là s'étaient multipliés par 100. Et ce, sur un territoire où il n'y avait rien. C'est quand même... ça force quand même le respect. Qu'est-ce qui s'est passé? Certes, ils avaient un esprit industrieux, cet esprit, je ne sais pas moi, germanique, scandinave, anglo-saxon, voilà, d'industrie, de mentalité industrieuse, mais il y avait aussi un arrière-plan qu'on ne voit pas et dont on ne parle plus, qui était le degré de leur foi, leur certitude qu'ils seraient bénis à faire ce qu'ils feraient et à avoir les succès qu'ils ont eus finalement. Au plan statistique, il est vertigineux aussi de constater que, de la même manière, l'effondrement de la natalité aux États-Unis, sur trois paliers, 1890, 1930, 1960, coïncide exactement avec la montée de l'athéisme chez eux, par palier aussi, et aussi, très curieusement, que cela est corrélé au plan politique avec la prise de pouvoir progressive d'un État profond antinational chez eux. Et nous parlons ici des États-Unis parce que leur histoire est a des parallèles très étonnants avec l'histoire de France, contre toute attente. Nous avons aussi eu aussi les mêmes problèmes et au même moment, aux mêmes époques. C'est pourquoi nous demandons à la religion, certes, l'accès au royaume des cieux, certes, mais aussi par surcroît, comme dit l'Évangile, peut-être à une ingénierie sociale de préservation de la génération actuelle et des générations futures. Technique de préservation, d'amélioration, de multiplication des générations. Par le mariage notamment, nous verrons. La religion comme protectrice mystérieuse de la génération. Et plus que la religion, la pratique religieuse. Et plus encore que cela, la pratique religieuse, osons le dire, aveugle et même assez négatrice de la raison raisonnante et intimidatrice finalement de la foi. Qui agit souvent comme une force dissolvante de la foi. Finalement, la foi du charbonnier, plus que croire, la volonté de croire, et la méfiance envers toutes les philosophies du soupçon. Pour soutenir cette pratique religieuse, la soutenir en face des grands raisonneurs, pour ne pas se trouver confondu, notamment en public, il faut pouvoir justifier d'elle, et notamment, comment faire, bien lire l'Écriture sainte, dans les disciplines qui s'appellent l'exégèse et l'apologétique. L'exégèse, c'est le commentaire et la compréhension de l'Écriture sainte. L'apologétique, c'est la capacité à raisonner avec pour prouver un argument. Et cela peut... l'Écriture sainte comme source peut être incroyablement fructueuse pour cela. Mais c'est plutôt une école... l'exégèse et l'apologétique sont des spécialités plutôt protestantes et assez peu catholiques. Et là, on gagnerait peut-être à se remettre à la charrue de ce point de vue-là.
dans une période de crise aggravée par la dénatalité et l'invasion, c'est-à-dire, en somme, dépeuplement artificiel et repeuplement artificiel, l'Écriture sainte donne des clés étonnamment pertinentes. Nous l'avons vu avec le Deutéronome, nous pouvons le voir aussi avec l'Évangile. Par exemple, on peut donner trois exemples dans l'Évangile. Comme cela, par exemple, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Comment la lisez-vous? Eh bien, c'est assez simple, vous connaissez cette histoire. Il y a un maître qui possède un champ, ses serviteurs sont allés dans le champ pour ensemencer le champ avec les grains que leur a donné le maître du champ. La nuit passe, le lendemain arrive, le lendemain, que se passe-t-il? Les serviteurs constatent que de la mauvaise herbe a poussé dans le champ en plus du bon grain. Ils se retournent vers le maître et lui disent, écoutez, ce n'est pas nous qui avons fait ça, qu'est-ce qui se passe? Le maître leur dit, oui, c'est un ennemi qui a fait cela. Ne vous en inquiétez pas, laissez croître le bon grain et l'ivraie. Le moment venu, lors de la moisson, nous moissonnerons l'ensemble et nous séparerons le bon grain de la mauvaise herbe. Bien, mais dans l'intervalle, on peut faire cette réflexion, l'intervalle, c'est la période actuelle. L'intervalle, c'est que le bon grain qui est légitime dans son champ doit aussi combattre contre la mauvaise herbe qui, elle, est plantée à côté en promiscuité étroite et se nourrit des nutriments du bon grain. C'est la période actuelle qui est terrible, c'est que c'est de vivre avec un voisin de palier qu'on n'a pas choisi, selon des us et coutumes qui ne sont pas les nôtres, selon une culture qui n'est pas la nôtre. Et vous voyez bien de manière évidente que, comme cette parabole aide à comprendre ce que c'est réellement que l'immigration. L'immigration n'est pas venue ici se planter d'elle-même. Elle a été bel et bien plantée par un ennemi. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est un ennemi qui a pris la mauvaise herbe, qui est allé la chercher, qui est venu ici la planter, pour précisément qu'elle soit voisin de palier du bon grain. Cela signifie qu'entre le moment où la moisson aura lieu, entre maintenant et le moment où la moisson aura lieu, il y aura une certaine période de lutte, ou en tout cas de résistance possible, enfin, qu'il faudra faire preuve. Une autre parabole, comme ça, la parabole du bon samaritain, qui est très souvent citée en exemple par certaines dames autoritaires dans les paroisses, ce qu'on appelle les GDE, les grosses dames extraverties. Peut-être que vous en connaissez certaines. Zanotti Sorkin, une fois, en parlait très bien, c'était assez amusant. Il disait Martine, elle est très gentille, mais c'est pas elle qui va monter sur l'estrade. Martine, désormais, tu feras les photocopies. Voilà, la part de Zanotti Sorkin, c'était pas mal. La parabole du bon samaritain, qui est citée comme étant une sorte d'apologie de l'accueil de l'étranger, du soin qu'on devrait porter aux migrants. Est-ce que c'est ça qu'elle dit réellement? Pas du tout. La parabole du bon samaritain, elle est employée par le Christ lui-même lorsqu'on lui demande « Qui est mon prochain ?» C'est pour expliquer qui est mon prochain. Et voici ce qu'il explique, voici ce que le Christ explique. Il dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Chemin faisant, il est tombé sur des brigands qui l'ont roué de coups, l'ont dépouillé et l'ont laissé sur le bord du chemin à demi-mort. » Là-dessus, certains de ses co-religionnaires, à cet homme blessé, sont passés. Un premier est passé, l'a vu, agonisant, et ne l'a pas soigné, n'a rien fait pour lui, l'a traité par indifférence. Un autre est passé et a fait de même. Et cela dit beaucoup de choses sur la vie individualiste assez égoïste actuelle, qui peut être très lourde à porter sur le long terme. C'est qu'on est traité le plus souvent, soit par l'hostilité franche, soit par l'indifférence, qui est aussi une forme de violence latente, qui est lourde à porter sur le long terme. Voilà, dès lors qu'on commence à travailler, on est très souvent très seul. Et finalement, qui va soigner notre homme blessé? C'est un étranger qui passait par là, c'est un samaritain. C'est le bon samaritain qui va le charger sur sa monture, payer l'hôtellerie voisine pour que cet homme soit nourri, logé, soigné le temps qu'il faudra. Qu'est-ce que dit cette parabole? Elle nous dit qui est notre prochain dans le cas concret. Notre prochain qui aurait dû être notre voisin, notre combattant voisin de phalange, je sais pas moi, notre prochain, celui qui nous ressemble, celui qui est le plus immédiatement notre voisin, de la manière peut-être même aussi physique et concrète, la plus immédiatement visible et indéniable, celui-là ne s'est pas comporté comme un prochain bienveillant. Et finalement, dans ce cas précis, c'est un étranger qui l'a fait. Dans ce cas précis, l'étranger en question doit être considéré comme le prochain. Et dans ce cas précis, on parle d'une relation d'individu à individu. On ne parle pas ici de millions d'individus dans un mouvement de masse migratoire ou de choses comme ça. Il s'agit d'un cas particulier dont la personne en question, le bon samaritain, a dû faire preuve, d'un comportement dont il a dû faire preuve. Enfin, le passage qui concerne
la joue droite et la joue gauche. Vous connaissez ce passage très souvent employé pour faire l'apologie du dolorisme, de la non-violence. Mais à bien y regarder, qu'est-ce qui signifie? Quand on étudie plusieurs livres dans la Bible, on se rend compte souvent que la partie droite de l'individu, par exemple la main droite, que la main droite doit ignorer ce que donne la main gauche, que dans une assemblée, la partie droite de l'assemblée a une considération toute spéciale, que le Christ siège à la droite du Père, ce genre de choses, nous incline à penser que tout ce qui concerne la partie droite est la partie noble, la partie altière, la partie de la beauté, de la bonté, de la vérité, vous voyez? Alors que la partie gauche est plutôt la partie encore par trop humaine, encore peut-être la partie de la loi du talion, vous voyez, de la brutalité, de la réponse du tac au tac, ce genre de choses. Que nous dit-on lorsqu'on nous dit qu'une fois frappé sur la joue droite, on doit tendre la joue gauche? Peut-être qu'il faut le prendre au sens littéral, peut-être aussi qu'on peut le comprendre au sens où, lorsque nous avons été frappés, offensés, alors que nous étions innocents, nous avons peut-être le droit de tendre la partie gauche de nous-mêmes, c'est-à-dire de peut-être penser à notre autodéfense, voyez, ce genre de choses. Ouais. Enfin, voilà, c'est une lecture possible. Il faudra demander ensuite peut-être à la Catina Aurea ou à Saint Thomas d'Aquin s'il est d'accord. Je veux dire que je ne l'ai pas lu, mais il est très possible qu'il soit d'accord. On pourra vérifier. Enfin, tout est logique souvent dans l'Écriture sainte. Il n'y a jamais de point vraiment aberrant. J'ai entendu souvent des prêtres enseigner à la génération actuelle qu'elle doit souffrir parce que l'Église serait arrivée au bout et que désormais il n'y a plus que le calvaire et qu'elle doit porter sa croix et que donc l'Église devant suivre le Christ, nous sommes à, et que arrivant en quelque sorte au bout de l'histoire, j'ai déjà entendu souvent cette histoire-là, arrivant au bout de l'histoire de l'Église, c'était désormais le temps de la passion et qu'il fallait accepter sans broncher. Ces périodes de persécution, les périodes actuelles. C'est une manière de voir, c'est une manière doloriste de voir et aussi assez irresponsable. Je trouve très irresponsable que des hommes faits enseignent à des jeunes que leur destin pour les 40 années prochaines, voire plus, c'est de souffrir ou de dire amen à des persécuteurs méchants et stupides. Et puis c'est de la dialectique. On pourrait très bien aussi dire le contraire. On pourrait très bien aussi dire, on peut dire que le Christ ayant souffert, nous devons le suivre et l'imiter. On peut aussi très bien dire que le Christ ayant souffert pour que nous ne souffrions pas, il s'est sacrifié pour nous. Et nous, à nous, il nous a donné quoi? La vie en abondance, comme dit l'Évangile. La vie en abondance. Et puis, ce passage d'un épître qui dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous comme un commandement. C'est un ordre, c'est une recommandation importante. Réjouissez-vous. Vous savez, il y a un épître qui dit cela. Bien. Et peut-être arriverons-nous bientôt à devoir faire un choix, la foi aveugle mais inexplicablement fructueuse, ou alors la recherche effrénée de certitudes rationnelles mais complètement nihilistes. Et les sciences et les philosophies agies par le soupçon s'avèrent bientôt souvent les sciences et les philosophies du désespoir. Je vous parle de cela parce que récemment, dans une émission sur ERFM, la radio de Égalité et Réconciliation, j'évoquais Schopenhauer et Darwin. Et je lisais un commentaire assez critique d'un auditeur dans la liste des commentaires. C'est pas du tout pour porter un jugement, mais c'est parce qu'en fait, il permet de très bien résumer ce qui est en jeu. Il disait ceci, parce que lui, il se basait, il avait le pur point de vue scientiste et matérialiste, qui est aussi un grand enjeu à l'heure actuelle. Hein. Trust Science, c'est l'époque actuelle. Dans les 2 dernières années sur dont l'enjeu ont été finalement de finir vacciner 5 doses, c'était des scientistes qui se battaient les uns contre les autres finalement. En tout cas, cet auditeur disait ceci: admettons que la pensée de Darwin ou de Schopenhauer soit sociologiquement négative pour l'Occident, ça n'empêche pas de reconnaître qu'elles sont vraies. Oui, nous descendons d'un ancêtre commun avec le singe et nous n'allons nulle part, c'est comme ça, nous sommes concrètement une espèce comme une autre, qui s'éteindra pour l'éternité après ne pas avoir existé durant des éternités. Puis viendra le temps de notre planète, puis de notre galaxie, et ainsi de suite. Tout se passera comme si nous n'avions finalement jamais existé. Et ce n'est pas grave, c'est normal d'en avoir conscience, car c'est la vérité. Voilà, ça c'est la vérité de l'athéisme, c'est ça qui forme l'arrière-fond invisible de l'athéisme, c'est-à-dire le plus haut degré d'absurdité, ce qui a produit après des Ionesco, des Samuel Beckett, la pièce En attendant Godot notamment.
que je ne sais pas pourquoi, mais nos professeurs de français au lycée tenaient absolument à nous montrer. Et souvent, même plusieurs années, en première et en terminale, enfin, jamais vraiment compris pourquoi. Et là, on voit bien les fruits que donnent les deux arbres. L'arbre de la connaissance qui donne comme fruit une certaine absurdité de la vie, de l'existence, finalement sa fausseté. Dostoïevski disait, si Dieu n'existe pas, tout est permis. La stérilité, le doute, la pensée contre soi-même, et finalement le fait de lâcher les commandes avec tout ce qui s'ensuit, l'invasion, voilà ce qui est guidé par un attrait désordonné pour les certitudes rationnelles. Et à côté de l'arbre de la connaissance, l'arbre de la foi, qui donne mystérieusement d'autres fruits, autrement plus charmants, fécondité, les beaux-arts, la joie, la paix dans la société. À ceux qui répondent que les religions ont engendré des guerres, qui comparent le nombre de morts qu'il y a eu, par exemple, pendant la guerre de 30 ans et la Première Guerre mondiale. Les guerres athées, tout le monde le sait, enfin, tous les historiens le savent très bien, sont 100, 1000 fois plus meurtrières que les guerres religieuses, qui concernent seulement des armées ou des comtés l'un contre l'autre. Alors que les guerres athées, c'est la guerre totale, c'est le règne du nihilisme, finalement, il y a quelque chose de logique là-dedans. Tout ceci permettait de mettre en lumière le paradoxe du génie européen. C'est-à-dire que la plus haute intelligence mondiale, la plus haute intelligence par raison et par rationalité, a produit aussi le plus noir désespoir. Et les penseurs du soupçon, du doute, dans l'Ancien Testament, ils sont identifiés sous l'appellation de Amalek, qui est le personnage, la tribu assimilée au doute et qui est la tribu décrite comme étant celle qui doit être intégralement détruite et exterminée. Au contraire, d'autres tribus ennemies, dont on peut laisser subsister peut-être quelques rejetons, dans l'espoir que eux se convertissent. Mais Amalek, lui, doit être entièrement détruit. Pourquoi? Parce que Amalek représente le doute, et que le doute est comme une petite poussière qui dans une maison, va en créer d'autres, et encore d'autres, et finalement tout étouffer. Un seul petit doute peut détruire des millions et des millions de membres d'un peuple et d'une génération. Ce n'est pas le matérialisme qui tue, c'est la pensée lourde et machiniste, la recherche effrénée de certitudes rationnelles. Les plus grands sages, eux, de l'Antiquité, les sages classiques, avaient l'humilité de conclure, au moins par « je sais que je ne sais rien ». Alors qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne en surpoids, devant sa télé remplie de Red Bull et de McFlurry, proclamera qu'il descend du singe, que tout le monde sait très bien cela, et que trust science. On voit ce que ça a donné. Regardez quel monde a produit la recherche forcenée de certitudes rationnelles. Un effondrement, bah, du sens lui-même, un effondrement du sens rationnel précisément, un effondrement esthétique, qui veut dire beaucoup de choses aussi, un effondrement de la natalité, et puis l'invasion, la colonisation que nous connaissons. Il est curieux que ces grands génies qui étaient capables de raisonnements aussi pointus, aussi percutants, eh bien, malgré tout leur génie, n'étaient pas capables de voir quels seraient les fruits de leur propre doctrine. Je parle notamment de gens comme Schopenhauer et Darwin qui ont rédigé leurs œuvres à la même époque. J'en parle en conscience, parce que je suis un lecteur passionné de ce genre d'auteur. Quelques mots sur la natalité. Je voudrais parler de ce qu'on appelle l'âge charnière. Je suis très étonné de parler à une assemblée aussi jeune, je ne m'attendais pas à ça, mais ça me permet de me remémorer quelques souvenirs. Il m'a semblé que l'âge le plus difficile de la vie était ce fameux âge charnière qui court de 16 à 24 ans, qui est l'âge où l'esprit est le plus malléable et qui est l'âge aussi de la plus grande vulnérabilité. Ne croyez jamais ceux qui vous disent, ça, souvent ce sont des vieux qui disent ça, que c'est le plus bel âge de la vie. C'est l'âge de la plus grande vulnérabilité où on doit faire tous les choix, où une énorme responsabilité pèse sur nos épaules. Or, nous n'avons souvent, pour beaucoup d'entre nous, pas encore les armes et pas encore la force pour porter ce degré de responsabilité. Je pense à une chose comme ça que je peux évoquer, c'est qu'à cet âge-là, j'ai vu beaucoup de mes camarades proches, beaucoup, une bonne dizaine en tout, si je fais le compte, sombrer dans quoi? Dans la folie qui s'appelle au plan médical, sous le nom savant de schizophrénie. Comment ils y sont passés? Par l'excès de drogue, notamment du shit, dont on nous disait qu'il était inoffensif. Et jamais personne ne nous avait dit que le shit n'était pas seulement un dépresseur, mais aussi une espèce de porte d'entrée vers la schizophrénie sur des esprits qui peuvent être fragiles à cet âge-là.
et qui ne vont jamais se dire fragiles, surtout quand c'est des garçons. Pourtant, c'est le cas. Il y a quelque chose de terrible à cet âge-là, souvent, c'est que des garçons doivent faire face, je ne sais pas moi, au divorce de leurs parents, au fait d'habiter tout seul, au fait de changer d'environnement, de quitter leurs amis. Et la drogue est souvent un échappatoire. Sur un esprit malléable, fragile, ça fait des dégâts qui sont irréparables. Parce que la schizophrénie, on n'en revient jamais. Après, c'est les médicaments à vie, l'hôpital psychiatrique à vie. J'en connais plein, des amis à moi comme ça. Peut-être que vous en connaissez autour de vous aussi. C'est un drame dont personne ne parle. Et ceci aussi parce que cet âge-là est l'âge des premières déceptions graves. Un sujet dont on pourrait parler plus souvent, dont les prêtres pourraient parler plus souvent, c'est quoi? C'est comment gérer une rupture. Une rupture sentimentale qui est terrible à ces âges-là, puisque elle a lieu au moment où la pulsion de vie en soi est la plus forte, parce que la plus neuve, mais aussi la plus pure. Quand vous subissez une rupture à cet âge-là, vous pouvez, dans certains cas, c'est arrivé très souvent, ne même pas en revenir. C'est la fin pour certains. C'est la vie qui s'effondre. Et de ce point de vue-là, bon, j'essaie de raccrocher quelques wagons, mais je voulais dire que cet âge où on est, où l'esprit est le plus malléable, est aussi une opportunité, est aussi l'âge rêvé pour entrer dans la bonne routine. La routine, on l'aura quoi qu'il arrive. Et il vaut mieux que ce ne soit pas une routine de célibataire, mais une routine de couple marié, heureux. Et c'est là que je voudrais parler un petit peu de la routine du foyer. Pour qu'elles se mettent en place, il est bon souvent que les deux conjoints soient encore à un âge où leur routine personnelle n'est pas faite. Ils n'ont pas pris eux-mêmes des petites habitudes de célibataire, vous savez. D'où l'importance, souvent contre toute attente, ou en tout cas contre l'esprit du monde, de se marier tôt pour préserver sa vocation, parce que la vie d'homme et de femme mariée est aussi une vocation qui a sa place et qui est une très noble aventure chrétienne. Elle nous permet de commencer par le plus difficile. C'est pour ça souvent que personne n'en veut de cette aventure-là si jeune. Et que, à cet âge-là, tout est fait, tout est organisé pour qu'on commence par le plus facile. Par l'union libre, par aller au resto, aller en vacances ensemble. Mais dès lors qu'on a passé cette partie la plus facile, la plus agréable, et qu'on doit entrer dans une autre routine, qui est de se lever le matin pour aller travailler, chacun de son côté, et de se retrouver le soir pour faire à manger. Tout d'un coup, là, il n'y a plus personne, et c'est là que les ruptures interviennent. Au contraire, la vie chrétienne nous propose de commencer par le plus difficile. Et les couples mariés depuis 10 ans, 20 ans, que vous pouvez connaître autour de vous, des parents, des amis de parents, des parrains, marraines, des gens comme ça, vous diront toujours qu'ils ont commencé, eux, par le plus difficile, et qu'en fait, au début, c'était au début qu'ils s'engueulaient. Nos jours, tout est organisé pour que la vie au début soit plus facile et qu'on s'engueule et qu'en fait on s'entende bien au début et qu'après on s'engueule et qu'on se dise qu'on s'est trompé. Tous les couples qui ont bien fonctionné, c'est au début qu'ils se sont engueulés. Donc, si vous engueulez au début, c'est un bon signe. Bernanos parlait d'une conspiration universelle de la modernité contre la vie intérieure. On pourrait dire la même chose en ce qui concerne le temps. Il y aurait une conspiration universelle de la modernité pour vous faire perdre du temps. Et qu'il peut être bon d'avoir le courage de commencer tôt pour choisir sa voie professionnelle, pour trouver le conjoint, ce genre de choses. Le plus tôt, le mieux probablement. Un petit mot sur le renouvellement des générations qui repose, on le voit, souvent davantage sur la femme et sur une femme qui soit, comment expliquer? Davantage de droite que soit, davantage chrétienne que soit. La jeune femme chrétienne fervente, allez, ça met beaucoup de conditions, mais fervente, bien élevée, jolie, c'est l'arme absolue pour les conversions en réalité. Parce que nous, les hommes, en fait, nous sommes de braves bêtes. Nous avons une capacité de travail, nous sommes prêts à aller charbonner, nous sommes prêts à porter les paquets, à porter les courses. Nous cherchons simplement celle à qui confier cette force-là. Et pour des hommes, ce qui est une catastrophe, c'est la femme qui est légèrement plus de gauche. On peut le voir autour de soi. La femme un peu gauche des valeurs, c'est systématiquement la catastrophe. Parce que dès lors qu'elle est comme ça, elle va beaucoup plus se faire la tête. Et l'homme sera plus, comment dire, il aura plus cette espèce de posture de force, de tranquillité. Il devra toujours essayer d'aller un petit peu la rattraper comme ça.
et de s'inquiéter de ses humeurs. Je parle de tas et de tas d'exemples que j'ai en tête et que chacun peut constater. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une manière de dire qu'en fait, nous pouvons être autant de droite des valeurs que nous voulons. Vous pouvez être aussi brillant, aussi noble, aussi instruit, exercé, éprouvé que vous voulez, chers camarades. Tant que vous êtes un homme seul, vous êtes un arbre sec. Et le plus crucial en la matière est de rencontrer la bonne femme. Et que pour votre foyer forme les générations futures, il faut que la femme soit toujours davantage chrétienne que vous, davantage fanatique que vous, davantage de droite que vous, davantage pudique, davantage ascète, davantage énergique. Regardez autour de vous les foyers qui vivent et qui durent. Eh bien, l'homme est plus calme, plus réfléchi. C'est un travailleur concentré. Et la femme, elle, est plus mystique, est plus attachée à sa foi, plus portée sur la famille, plus attentive à la prière, à la prière quotidienne des enfants, plus sévère avec la pudeur des filles. Bref, la femme est davantage droite des valeurs. Quelques mots sur la vie quotidienne, ce qui nous emmène sur la vie quotidienne au foyer. La vie chrétienne du foyer est une vie à la fois qui est faite de vitesse et de répétition, une vie d'alerte et de constance qui requiert un état d'esprit que l'orthodoxie résume par le beau mot de nepsis, ce qui signifie à la fois la vigilance et la sobriété. Deux qualités qui s'obtiennent notamment par une alimentation modérée et un sommeil modéré. On voit beaucoup cela chez ce qu'ils appellent les pères neptiques chez eux, qui, dans beaucoup de cas, sont communs avec les pères du désert et les pères de l'Église catholique. Parce que, comme vous le savez, avant l'an 1000, il n'y a pas d'Église orthodoxe et pas d'Église catholique, il y en a une seule. Et par une sainte horreur des distractions mondaines, parce que, à bien y regarder, la routine n'est rien d'autre finalement que la paix intérieure qui devient la paix du foyer et qui, stabilisée dans le temps, devient une paix constante, renouvelée chaque jour, c'est-à-dire perpétuelle. Et le perpétuel est le moyen temporel de toucher de manière tangente à l'éternité. Ce que nous voulons dire ici, c'est que la vie quotidienne peut se révéler entièrement empreinte de sacré. Après de répondre à des questions pour savoir si le plus haut engagement religieux, est-ce que c'est la cléricature ou la vie de famille, je ne sais pas. Et ce qui est sûr, c'est que l'avenir de l'Église n'est pas. L'avenir de l'Église, est-ce que c'est le séminaire ou est-ce que c'est la famille de 15 enfants? Je dirais que par les temps qui courent, c'est certainement la famille de 15 enfants, dont un ou deux iront remplir, iront garnir un séminaire par la suite. Mais il faut quand même qu'il y ait aussi beaucoup d'autres enfants dont le but ce soit la génération future et de la former, non pas intellectuellement, mais concrètement, de la générer cette génération. Nous pouvons tous voir la beauté concrète, vérifiable, de ce que c'est qu'une mini-société chrétienne devant nous, toutes les fois, par exemple, que nous avons devant nous une famille nombreuse, qui est une école de charité et d'entraide, à un niveau microcosmique. Et on voit cela notamment, je voyais ça récemment dans un mariage, là récemment au mois de juillet, j'étais dans un grand mariage. Quelle joie finalement, quelle beauté de voir d'un côté les pères qui discutent avec gravité des prochains aménagements à faire, les mères qui s'occupent des enfants, les grandes sœurs qui folâtrent avec les petits-enfants, les jeunes grands frères qui construisent une cabane pour les plus petits, et puis toute cette culture finalement qui se voit par le vêtement, par le vocabulaire, la syntaxe, la cuisine, un certain idéal de l'habitat, de la musique, tous ces éléments finalement qui forment la vraie culture et qui se transmet de génération en génération. La culture, ce n'est pas une suite de concepts très compliqués. Édicté par André Malraux, ou une réflexion très poussée sur le sens des statues du musée du Louvre. La culture, en fait, c'est tout ce que nous avons autour de nous en permanence et que nous ne voyons plus à force de l'avoir devant nous. C'est-à-dire le vêtement, une manière de s'habiller, la manière de parler, la manière, lorsque nous formons un petit groupe de discussion ensemble, la distance qu'il y a entre nous, ce qu'on appelle le code proxémique, la gestuelle, le code mimique, ce genre de choses. Encore une chose toute simple que je vois ici, je le dis parce que je le vois, mais ce qui a présidé à l'écartement très exact et similaire entre chacun des drapeaux que vous pouvez voir autour de nous, c'est aussi un certain idéal culturel qui y a présidé. On le voit beaucoup, enfin, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on peut voir en Italie, enfin, chez Casapound, qui sont très doués pour ça, tous les aspects formels de la transmission de la culture. Ils ont sans doute hérité ça des Romains, c'est leur aspect pragmatique et pratique dans les choses. Souvent, ils ne se perdent pas dans le ciel des idées. C'est une mentalité très saine de l'esprit pratique. Et finalement, toute négligence de transmission dans ces petites choses pratiques, formelles, concrètes, visibles, signifie à chaque fois
l'irruption de cultures étrangères, voire impies. Le racaïsme, la culture racaille, mais elle s'engouffre, y compris chez nous, même chez n'importe quel grand chevalier de la chrétienté le plus sérieux que vous voulez, dès lors qu'il se perd dans le ciel des idées, il va voir son fils revenir avec un sweat capuche et il ne verra pas le problème. Mais je suis désolé, c'est pas notre culture. Ça correspond à d'autres mentalités, à d'autres choses, notre vision du monde. C'est un sujet passionnant d'ailleurs, ça, le vêtement, la sociologie du vêtement, ce que c'est qu'un vêtement selon telle ou telle activité, pourquoi telle ou telle culture s'habille de telle ou telle manière. Quelques mots sur l'éducation, enfin. Un texte très important, c'est un texte qui est trouvable sur Internet qui s'appelle « L'éducation des jeunes Européens en milieu multiculturel violent ». Je répète, « L'éducation des jeunes Européens en milieu multiculturel violent ». Il est sorti il y a une dizaine d'années et il peut servir à présider pour, par exemple, un directeur d'école qui veut se lancer, servir à présider une certaine technique de l'école chrétienne, d'instruire, certes, des notions, d'instruire les élèves, certes, sur des notions, mais aussi sur des aspects plus pratiques, plus formels. À ce sujet, la base, vraiment, il semble évident, après quelques années de pratique que j'ai, il se trouve que c'est une pratique que j'ai, c'est que la base, c'est d'avoir une école de garçons et une école de filles. On n'enseigne pas du tout de la même manière à des garçons qu'à des filles, surtout quand ils commencent à grandir. Et puis, il semble aussi tout à fait pertinent et normal que des hommes enseignent à des garçons et que des dames enseignent aux filles. Ça peut être très curieux, au bout d'un moment, que des adolescents soient enseignés systématiquement par des dames. C'est pas spécialement bon pour leur développement et c'est pas bon pour les rapports de force dans lesquels ils vont se trouver dans leur vie ultérieure avec d'autres hommes, d'autres cultures qui eux n'ont pas été éduqués par des dames. Ou en tout cas, quand ils l'ont été, ils ont sacrément ricané et ils ont rendu la vie impossible à ces professeurs-là. Mais bon, ce serait un vaste sujet sur l'illégitimité de la plupart de ceux qui font profession d'enseigner à des jeunes de nos jours. C'est un vrai problème. Et que l'école soit non pas le lieu des bourrages, ressassages de formules, mais qu'elle aide plutôt à forger le caractère selon la mentalité du 19e siècle anglais, notamment autour de Thomas Arnold, ce qu'on a traduit par le chrétien musclé. D'aider à forger une certaine attitude devant la vie. Il y a de très belles pages à ce sujet sur l'école dans le livre Les Beaux Draps de Louis-Ferdinand Céline, qui était ce païen crypto-chrétien. Ceux qui ne croient pas qu'il était crypto-chrétien pourront relire avec profit certaines pages de son pamphlet anticommuniste des années 30, Mea culpa. Très belle page sur l'Église. Voilà. On pourrait enseigner, je parle ici de garçons, on pourrait enseigner aux élèves la boxe, la lutte, le football, le rugby, tous les sports de choc. Vous voyez, où il y a des chocs physiques concrets qui les sortent d'eux-mêmes. Enseigner aux élèves à porter, par exemple, des chaussures en cuir et à cirer leurs chaussures, non pour l'acte, mais pour le résultat obtenu, pour apprendre des gestes et que ces gestes donnent un résultat. Très important de placer toujours l'élève dans le concret, les jeunes générations, de les placer dans le concret. Travailler, certes, sur des notions, sur le contenu, mais aussi beaucoup sur la forme, la diction, la prononciation, la syntaxe, la posture, l'étude de l'écriture sainte, y compris très jeune, car elle est une école d'exégèse et d'apologétique qui sont elles-mêmes des écoles de dialectique, de maîtrise du discours et de la répartie. Un point très important de nos jours pour pouvoir notamment justifier de certains points de sa foi face à des ricaneurs. Le Christ est un maître de dialectique dans toutes ses réponses aux pharisiens. Et la dialectique sert à quoi, en définitive? Elle sert à faire fermer sa bouche à un prédateur qui vous attend au tournant. C'est un point très important que des jeunes auront souvent à reconnaître dans leur vie. Apprendre à parler, apprendre à ne pas parler, apprendre quand parler, apprendre quand ne pas parler. Apprendre à reconnaître un individu hostile et savoir alors que faire, comment répondre à tel ou tel degré d'hostilité. Savoir gérer un conflit avec une personne externe en restant dur et juste. Et avec une personne interne, en cherchant toujours, en ligne d'horizon, l'intérêt du groupe et du bien commun. Apprendre une série de notions autour du vêtement. Que porter? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce qui est possible de porter? C'est un sujet d'ailleurs passionnant au plan sociologique, ce qu'on appelle le modélisme. Apprendre la maîtrise du corps par des techniques éprouvées, le chant, le sport, la danse.
apprendre la diététique, que manger et pourquoi, apprendre à manger, apprendre à jeûner, apprendre à aimer tant l'abondance que la frugalité, comprendre quels fruits portent la satiété et la faim bien maîtrisée, et surtout le faire. L'Église nous enseigne qu'il y a au moins dans l'année deux périodes pendant lesquelles on peut faire un carême, c'est le carême d'avant-Pâques et le carême d'avant-Noël, et même si on veut vraiment se donner à fond, dans une semaine, il y a 3 jours que l'on peut jeûner. Vous saviez? Le mercredi, le vendredi et le samedi. Si vraiment on veut faire du zèle. Apprendre le... Je dis cela parce que ça porte vraiment d'excellents fruits. On le découvre souvent sur le tard. Donc quand on est adolescent, il faut qu'on a faim et c'est non négociable. Mais ça porte d'excellents fruits, notamment sur la clarté d'esprit. On travaille jamais aussi bien qu'en maîtrisant vraiment bien sa foi. Quand on travaille et qu'on pense à l'heure de la pause casse-croûte, c'est un petit signe d'alerte. Apprendre le plus tôt possible ce que c'est que le travail salarié, le travail et aussi le travail indépendant. Comprendre ce que c'est que la propriété de ses moyens de production, qui est le but rêvé. Apprendre ce que c'est aussi un peu plus tard, ce que c'est que la monnaie, comment elle est émise, de quel droit et sur quoi elle repose. Pourquoi? Parce que cela aidera à forger une conscience économique subversive. Parce que quelqu'un a dit que si une majorité de gens savaient comment est constituée la monnaie, on aurait une révolution le lendemain matin. Un personnage illustre, proche de la banque, je ne sais plus lequel, avait dit cela, on va rechercher. Apprendre à gérer un foyer, apprendre les choses autour de l'ameublement, du rangement, du nettoyage, de la cuisine. Je dis cela aussi pour l'école Casa Pound, qui est très douée pour investir un local et en faire un endroit fonctionnel, esthétique. C'est un point très important. On se réunit dans des locaux, il est bon qu'il soit soigné, qu'il reflète un certain idéal, mais y compris dans les moindres recoins. Je veux dire, souvent, on voit souvent la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin. Vous savez, quand on débarque quelque part, dans une entreprise, on voit tout de suite ce qui ne va pas, que telle ou telle chose traîne, que les fils du PC s'enfuient un peu honteusement dans un coin, qu'il y a de la poussière, ce genre de choses. Tout ça est toujours le signe d'un certain degré de négligence. Enfin, lire. Pourquoi lire? Que lire? Comment lire? Je le dis parce que j'ai commencé à lire très tard, quand j'avais 25 ans. Et on comprendra qu'il est important d'étudier toute sa vie, et que c'est une joie vraiment, on peut lire et annoter les livres, non pas dans le but d'obtenir un diplôme, de manière un peu servile, dans un rapport servile avec la société, mais parce que bien lire, mieux lire, c'est un exercice de philosophie ou de théologie pratique. C'est appliquer la vraie conception classique du temps libre et du loisir. Et c'est aussi, dans beaucoup de cas, apprendre à mieux vivre par la théorie et valider ensuite cette théorie par la pratique concrète, de notre vie concrète. C'est le jour et la nuit, la vie concrète et puis le livre, la théorie. Et les deux se répondent comme une balle est renvoyée par deux raquettes, quoi. C'est la dialectique du jour et la nuit, la théorie et de la pratique. Et enfin, comme je le disais, il peut être intéressant dans le cadre de l'éducation des nouvelles générations d'apprendre certaines choses autour de la gestion d'une rupture amoureuse, mais d'une rupture aussi, par exemple, une rupture de fiançailles. Gérer des choses comme le divorce de ses parents, gérer les trois émotions négatives, la déprime, la colère, l'angoisse. Voilà. Ce sont un petit peu ces choses-là dont je voulais vous parler. Et puis, finalement ici, je vous ai livré plusieurs aspects autour de l'éducation des générations. Une petite proposition autour de l'éducation des générations. Comprendre finalement, en conclusion, que l'époque actuelle, c'est beaucoup le Deutéronome qui nous dit ce qui se passe en cas d'athéisme généralisé. On vivait sur des sociétés intégralement chrétiennes, ou à minima qui croyaient en Dieu, et qui craignaient Dieu, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que Dieu formait l'explication d'une certaine cosmogonie. Il est ce qui dépasse et ce qui contient l'existence. Et tout d'un coup, l'existence n'est plus dépassée par rien, n'est plus contenue par rien. L'existence dans une société athée, elle est vouée au nihilisme et au degré zéro. On croit que la population augmente. Non, la population réduit. On va vers la grande réduction, en réalité. Vers la grande réduction. C'est ça qui est terrible et qui est paradoxal. C'est que la partie de la population qui augmente, elle est produite, comment dire,
osons dire, elle est produite de manière industrielle, de manière forcenée. Mais la partie précieuse la partie précieuse des générations actuelles, elle va se réduisant. Et elle est produite plutôt de manière artisanale. Vous voyez? Il y a ici, bon, il y a aussi des choses qui tombent sous le coup de la loi. Mais voilà, bon, je vais pas épiloguer sur ce sujet, mais finalement, comprendre que la seule voie porteuse, c'est la mise en pratique des lois de la religion chrétienne, qui sont résumées dans le Deutéronome et dans l'Ancien Testament, des lois, il y en a des centaines. Dans le Nouveau Testament, vous le savez, elles sont résumées à seulement deux lois, qui sont aime Dieu, aime ton prochain. On peut le traduire par vie en vérité envers la morale, et la morale, il n'y en a qu'une, et c'est pour ça que Dieu est unique, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule morale, il n'y a pas deux morales. Il n'y a pas la morale pour moi et la morale pour lui. Il n'y a pas ne vole pas, il n'y a pas ne vole pas, ne tue pas, et un autre qui aurait le droit, dans certains cas, peut-être, de voler, voilà, selon tel ou tel petit contournement. Non, la morale, il n'y en a qu'une, et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes monothéistes. Il ne peut y avoir qu'une morale, une seule, la même pour tout le monde. Donc, en fait, les lois et les prescriptions du Deutéronome peuvent se résumer à deux. Aime Dieu et aime ton prochain, c'est-à-dire vis en vérité avec la morale, et aime ton prochain, voilà, vis de manière charitable avec ton prochain. La charité envers les hommes de la communauté, envers les hommes de la communauté légitime, et envers aussi, nous l'avons vu, envers les bons samaritains, qui ont fait la preuve qu'ils étaient bons samaritains. Comprendre que cette voie est porteuse pour la génération actuelle et pour engendrer les générations futures. Comprendre que le mariage chrétien, le foyer chrétien, c'est la mise en pratique concrète de la religion chrétienne dans la vie quotidienne. Enfin, un petit aperçu, l'Église opprime le corps par notamment la chasteté et la conjugalité, mais elle délivre l'esprit. La paix, la joie, le temps lent. Et paradoxalement, elle engendre des générations nombreuses. Au contraire, les persécuteurs de l'Église, qui sont finalement qui forment le pouvoir actuel, le pouvoir au sens large, eux, ils libèrent le corps, LGBTisme, avortement, divorce, pornographie, consommation, rivalité mimétique, etc. Mais ils oppriment l'esprit. Terreur morale, mensonge, menace de procès, dénonciation, cet esprit-là, très visible chez certains lobbies, chez certaines officines. Et ils engendrent finalement la réduction, la stérilité. Dans un paysage alentour aussi dévasté que qu'a pu l'évoquer le Deutéronome, cerné devant, derrière, de tous côtés, par tous les profanateurs des caractères sacrés du sol français et du peuple français. Ici, on aurait pu faire un parallèle entre les dommages infligés au sol français actuel avec les hangars, les éoliennes, les antennes, les radars, et ceux qui sont infligés au peuple avec l'invasion, le métissage, le racaillisme, etc. Eh bien, toutes ces horreurs nous forceront, y compris malgré nous, à regarder en direction du seul endroit incorrompu et incorruptible, le seul endroit demeuré beau, intact, un endroit qui n'est pas autour de nous, mais qui sera présent pour nous toutes les fois que nous voudrons bien seulement lever la tête, qui sera présent au-dessus de nous. Il sera là avec ses nuages mobiles, ses étoiles, ses couleurs, comme un spectacle toujours changeant et pourtant toujours semblable, fidèle, supérieur, paisible, et cet endroit est le ciel. Je vous remercie de votre attention.